Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour tester un jeu qui se nomme Sword Art Online ou alors SAO. C'est un jeu qui comporte une belle histoire. Si vous voulez savoir un peu plus sur cette histoire, je vous conseille de regarder les vidéos. C'est SAO ou Sword Art Online et on va commencer tout de suite. Alors excusez-moi si vous m'entendez tousser, je suis juste un peu malade. Hein. On va, une fois que ça a fini de charger, on se retrouve. Et voilà, ceci a terminé de charger. Maintenant, nous allons pouvoir continuer. C'est parti. Alors là, en fait, je suis en train de jouer sur mon téléphone. Ah, alors, si vous entendez quelques petites voix à l'arrière, c'est juste parce qu'en même temps, je regarde un peu la télé. Je regarde Assassination Classroom et parce que j'ai terminé déjà les épisodes de SAO. Alors, c'est parti, on va passer ça. Parce que moi, je ne parle pas anglais. Allemand peut-être, mais pas anglais. On passe. Alors faites pas attention à ce qui apparaît juste là, il te reste 1 minute de jeu. Non, c'est pas vrai. Moi je suis pas d'accord. Voilà. Et voilà. Alors, on passe à la discussion. Chez qui on est allé tout à l'heure, mais a priori équipement. Ça serait bien qu'on change d'armure. Je suis d'accord. Je suis d'accord.
Alors, une épée. Ouais. Et voilà, pour lui, c'est terminé. On passe à la discussion. Et ça va pas nous intéresser. Si nous le ferions en français, ça aurait été mieux. On a peut-être gagné un nouvel ami. Alors excusez-moi si vous entendez par exemple des frottements ou quelque chose comme ça, c'est parce que je suis sur mon téléphone et que je ne joue pas pendant sur l'ordinateur. Je vais monter un peu plus de le son et à la place vous laisser écouter. Alors par exemple on doit aller là-bas. Voyons voir, on passe à la discussion encore une fois. Je vais monter le son et puis je vais vous laisser apprécier le son. Let's go.
楽しみだわ。Alors voilà, vous avez pu voir quelques minutes de jeu. Alors je vous conseille ce jeu, mais comme là je suis encore dans dans le commencement, j'ai encore les instructions et puis tout ça, mais je vous conseille beaucoup ce jeu. Ne vous trompez pas de Sword Art Online, parce qu'il y en a deux différents. Je vais essayer de vous les trouver et puis je vous les montre. Voilà, il y en a deux. Il y a le Sword Art Online Integral Factor, ou alors Sword Art Online Memory Deck Frag. Alors, je vous déconseille ce jeu-là, mais quand je dis que je vous le déconseille, parce que pour le téléchargement du jeu, on en a pour une semaine. Une semaine de chargement. Et je pense pas que c'est ce que vous voudriez. Alors celui-ci, je vous le déconseille. Et à la place, je vous conseille celui-ci. Parce que c'est carrément vraiment le truc complet. On peut passer au niveau supérieur. Alors que sur l'autre, on peut que juste combattre des monstres. Hein. C'est pas vraiment ce qu'on veut. Nous, c'est interagir avec les autres joueurs. Je vais essayer de vous montrer la vidéo. Alors, voilà. On peut passer au palier supérieur et combattre plusieurs méchants différents. Voilà. Voilà. Je vous conseille énormément ce jeu et je vais essayer de vous montrer la vidéo pour l'autre. Alors, on va sur celui-ci et vous verrez, c'est beaucoup moins intéressant. Voilà, là on n'a pas vraiment l'impression d'être dans le jeu. Alors, comparé à l'autre, on est plus dans le jeu, on combat moins de méchants en fait. On combat dans tous les cas les méchants, mais on peut à la fois discuter et créer des groupes différents. C'est juste pour gagner des personnages, je vous le déconseille.
Voilà, alors cette vidéo se termine et puis on se dit à bientôt.